Bonjour la Zone, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du forum UberZone. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Rachid, un VTC hors du commun. Passionné par son métier, il redonne ses lettres de noblesse au transport privé de type grande remise. Il a démarré de façon très classique comme de nombreux VTC en travaillant avec les applications. Mais il a décidé très rapidement de prendre un grand virage et orienter son business sur du transport de luxe avec une clientèle privée exigeante. Alors allons de ce pas discuter avec Rachid, surnommé le transporteur par ses proches et ses collègues, et vous verrez, la ressemblance est frappante, pour en savoir un peu plus sur son parcours et son business. Alors je sais pas si je dois t'appeler Franck ou Rachid, parce que la ressemblance est vraiment frappante. Mais on peut se faire un délire, je vais t'appeler Franck. Allez, c'est parti. Bon, salut Franck, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci. Super. Vraiment, merci pour ta mise à dispo gratuite. Alors, première question que j'ai envie de te poser, quand est-ce que tu as démarré ta carrière de VTC et qu'est-ce que tu faisais avant et comment t'es venu l'aspiration à devenir VTC? Alors, je suis rentré dans le métier en 2013, exactement, en 2013. Avant ça, j'étais un militaire de carrière. Honnêtement, je suis rentré dans le métier, je ne savais même pas quoi faire quand je suis sorti de l'armée. J'avais pas d'idée, on m'avait proposé police, gendarmerie, limite parcours classique d'un militaire, d'un ancien militaire. Et quand je suis reparti dans le quartier où j'ai grandi, on m'a comparé à Jason Statham, le transporteur, acteur que je ne connaissais pas. Et à ce moment-là, il y avait le film au cinéma. Je suis parti voir le film au cinéma et je connaissais déjà à peu près ce métier de chauffeur, de grande remise et compagnie. Et j'étais au cinéma, je dis, quand je suis ressorti, je vais faire ça et je vais m'appeler le transporteur. Et d'où mon nom aujourd'hui, le transporteur, depuis 2013. Et je suis encore là aujourd'hui, bientôt 10 ans de métier. Et c'est aussi le nom de ta société, du coup. Exactement. Je me suis appelé le transporteur aussi. Donc, tu t'es lancé dans l'aventure VTC. Et qu'est-ce que tu as ressenti à tes débuts, justement, dans l'exercice de cette profession? Ce que j'ai ressenti, déjà, la première chose, c'était le service à la personne. Déjà, c'est franchement la première chose. Faut savoir aussi qu'il faut avoir le contact. C'est ça qui m'a vraiment attiré. C'est le contact avec les gens, rendre service. Parce qu'en réalité, c'est un service qu'on rend, certes payant, mais c'est un service. Et surtout, moi, ce que je recherchais aussi après, derrière, que j'ai appris, on en viendra certainement après, c'est la qualité de service que je voulais apporter. Voilà. Que là, vous me voyez comme ça, comme je suis habillé. Depuis le premier jour où j'ai commencé ce métier, mais vraiment le premier jour, j'ai été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as démarré, je suppose quand même que pour faire tes armes, tu as dû quand même utiliser les applications. Et qu'est-ce que tu penses justement maintenant de ces applis VTC? J'ai commencé franchement parcours classique. Déjà, j'ai commencé par louer un véhicule chez une personne, j'étais rattaché à une personne. C'est cette personne qui m'a limite lancé, je la remercierai jamais assez. J'ai commencé avec Uber. Toute ma carrière, j'ai fait quasiment... j'ai fait que du Uber. J'ai rien fait d'autre, ni de chauffeur privé, ni de Hitch, ni quoi que ce soit. En fait, moi ce qu'on m'a appris, c'est ne jamais courir plusieurs lièvres à la fois. J'avais Uber, je faisais Uber. On m'avait appris des règles d'or du métier que j'ai appliquées avec Uber. Malgré, il y avait des courses. Par la suite, les prix des courses ont baissé, mais j'ai gardé toujours et toujours et toujours cette qualité de service. C'est-à-dire, même, admettons, une course était à 8 euros, et j'étais en costume. J'ouvrais la porte au client, c'est rien du tout. Mais j'ai su en fait me démarquer. Et les clients l'ont remarqué. Et petit à petit, mais en tout cas, moi, ça a été que du Uber, depuis toujours. C'est pas de la pub que je fais, mais c'est mon expérience. J'ai fait vraiment que ça, jusqu'à petit à petit me faire mon réseau. Je devine déjà la réponse, mais je vais quand même poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'arrive encore de réaliser occasionnellement des courses applications, par exemple en mode berline? Non, franchement, je suis arrivé à même en termes de mes véhicules et compagnie, honnêtement, je ne fais plus du tout. Je ne fais plus du tout parce que je me suis énormément développé, même dans d'autres branches aussi que chauffeur. Donc honnêtement, je crois que ma dernière course en application, c'est... Bon, je peux parler en année, peut-être 4-5 ans. Ouais, ma dernière course application, ouais. Et même mes dernières courses application, c'était stratégique. Par exemple, j'avais un client imposé à l'aéroport, et j'essaie de ne pas revenir à vide. Ou admettons, je suis à Paris, c'était l'époque où la mise de destination était mise sur l'application. J'étais à Paris, je sais que j'ai une arrivée à Charles de Gaulle en fin de journée. Je vais mettre à destination, comme ça moi je me dirige vers l'aéroport. Avec chance, j'avais une course directement à l'aéroport. Et voilà, c'était devenu une utilisation stratégique jusqu'à disparaître complètement des applications. Ouais, vraiment 0%. En fait, c'était vraiment crescendo, je diminuais petit à petit. Je faisais,
du 2000 euros sur les applis, on va dire à peu près, de chiffre d'affaires, j'en étais arrivé à 300 euros, 200 euros à la semaine, quoi. Je faisais plus rien, quoi. Donc si j'ai bien compris, tu t'es affranchi des applications en 4 ans à peu près? À peu près, ouais. Et là, ça fait à peu près aussi 4 ans que tu roules ta bosse tout seul et que tu gères ta boîte vraiment en solo, comme un vrai VTC grande remise de l'époque. Exactement. L'époque d'avant Uber, justement. Exactement, ouais. Ouais, je les ai connus aussi et bah, je les ai fréquentés. J'ai appris le métier, en fait. Moi, en fait, quand je suis rentré sur l'application, je voulais apprendre le métier de chauffeur. Je voulais pas être... Sinon, j'aurais fait du taxi. Voilà, sinon j'aurais fait du taxi. Si je veux faire du course à course, ouais, j'aurais fait du taxi. Mais moi, je voulais vraiment être ce chauffeur-là bah, que je voyais, les mecs que je voyais bah, devant les palaces, événements et autres. Je les voyais, j'allais les voir. Franchement, honnêtement, j'allais au culot. Bonjour, je me rappellerai toute ma vie. J'étais sur les Champs-Élysées, j'avais ma C5 à cette époque. J'étais limite ridicule, mais comme on dit, le ridicule ne tue pas. Je me suis arrêté avec ma C5. Une C5 avec des enjoliveurs et tout, mais en plastique. Je me mets au milieu, il y avait de la Maybach, il y avait de la S. C'était beau. Il y avait, je pense, une personnalité. Je l'ai mise au milieu, comme ça. J'ai été voir le mec. Et j'étais habillé comme ça aussi. J'ai dit, voilà, j'ai envie de faire comme vous. Comment faut faire? Et il m'a regardé. Je pense qu'il ne m'avait pas trop pris au sérieux au départ. J'étais encore un peu jeune et tout, enfin, dans le métier, quoi. Et il m'a dit sérieusement, je lui ai dit oui. Et je m'en rappellerai toujours. Bah, il m'a énoncé, en fait, des règles d'or du métier que j'ai écoutées, que j'ai mis en œuvre. Et ça a fonctionné. Alors à ce jour, tu as une flotte de combien de véhicules et est-ce que tu embauches des chauffeurs? Alors j'ai une... là actuellement j'ai 3 véhicules, un quatrième qui arrive, des véhicules de cette gamme-là que j'ai seulement. J'embauche des chauffeurs, oui, occasionnellement, pour des événements ou autres. Et quel type de service tu proposes à part des courses classiques? Il y a beaucoup de mises à disposition. On m'appelle aussi pour des prestations clip. Il y a aussi des délégations. J'ai fait énormément de délégations avec des... SPHP, bah c'est de la protection de haute personnalité. C'est grâce à mon antécédent militaire, j'ai pu bah, côtoyer ces gens-là qui m'ont fait rentrer dans certaines missions. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Après, c'est principalement de la mise à disposition. Alors j'imagine qu'il y a différents types de mise à disposition. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour une mise à disposition et nous donner quelques exemples de différents types de mise à dispo? Alors, déjà une fourchette de prix, c'est il y a les catégories de véhicules. Vous commencez généralement à la classe E, exemple, classe E. Ça tourne, bon, ça a énormément baissé par contre, les tarifs. Là, les tarifs que je vais vous donner aujourd'hui, c'est les tarifs d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était limite multiplié par deux. Par exemple, un véhicule comme celui-là, une Maybach, je suis autour de, on va dire une moyenne, 100, 120 euros l'heure. Okay, une S classique, vous êtes autour de 80, 90, et sachant qu'avant, franchement, avant, c'était, je pense, le double. Par exemple, comme pour les transferts aéroports. Avant, un transfert aéroport en classe S, un client payait 200 euros. Franchement, 200 et 250. Même sur Uber, au départ, les clients payaient quasiment ça, 200 euros. Et aujourd'hui, vous êtes sur un transfert en S-Classe à 120, 130 euros en moyenne. Quand on l'a à 130 euros, bah ouais, on est content. C'est quand même très bien payé, bien sûr. Très bien payé. Mais voilà, fourchette de prix, c'est ça à peu près. Et en classe E, ça tourne autour de 50 à 70 euros de l'heure. Il faut faire beaucoup d'heures et tout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, l'avantage de la mise à dispo, c'est qu'on ne roule pas. Il faut arriver aussi dans le métier à se dire, c'est moins je roule, plus je gagne. Et il faut le comprendre aussi, pourquoi moins je roule, plus je gagne? Bah, le véhicule n'est pas usé. Vous-même, vous n'êtes pas usé, parce qu'on ne roule pas, on n'est pas dans la circulation et compagnie. Donc voilà, c'est plein de choses qui font que bah, on gagne plus sans rouler. Voilà, bon, les différentes mises à disposition, bah, il y a ce que j'ai développé là actuellement, les mariages. Après, ça c'est différent, les mariages c'est festif, c'est moins protocolaire. Bah, les dispos diplomatiques, quand on fait des délégations et compagnie, ça c'est extrêmement protocolaire. Il y a des protocoles à suivre. Par exemple, quand on a un agent de sécu à côté, ça m'a choqué la première fois que j'ai fait ça, c'est que le véhicule ne s'était même pas arrêté, que le gars de la sécu avait déjà sauté de la voiture pour ouvrir à la personne derrière. Il y a des clients par exemple, des mises à dispo, on n'a pas le droit de parler au client. Mais quand je vous dis pas le droit, on ne lui parle pas du tout. Ça fait partie du protocole. Et après, vous avez le client classique. Il a besoin d'un véhicule pour aller faire ses courses, l'accompagner, faire les magasins, rendez-vous professionnel. Ça arrive aussi, généralement, dans Paris, c'est à La Défense, Tour Ariane et compagnie. On attend le client en bas et voilà, il fait son rendez-vous d'affaires, son repas d'affaires.
où vous avez la dispo aussi, on le récupère à l'aéroport, on reste toute la journée avec lui et on le redépose à la fin de la journée à l'aéroport. C'est pareil, c'est de la mise à disposition, rendez-vous d'affaires et autres. Par quoi tu expliques justement cette baisse des prix par rapport aux années précédentes? Moi je pense, c'est sûr, c'est par rapport au choix donné aux clients, par rapport à Uber. Uber qui a fait des baisses de prix exorbitantes. Moi quand j'ai commencé avec Uber, je me rappelle où ils donnaient le minimum garanti 400 euros par jour. C'est-à-dire que vous connectez pendant 8 heures, on avait 400 euros par jour. C'est-à-dire qu'on faisait, bon, il n'y avait pas de course, hein. À l'époque on était carrément au GPS TomTom. Ça n'existait même pas Waze. On était au GPS TomTom avec le rond au milieu, le bip, toute la France entendait. Mais voilà, c'était ça. Après, d'année en année, je dirais même pas d'année en année, je dirais même quasiment de mois en mois, ça a baissé. Donc ça a donné le choix aux clients. Donc il y a certains clients, ils se sont dit, pourquoi je vais aller payer 200 euros un transfert à l'aéroport et je peux l'avoir à moins de 100 euros sur Uber. C'est ce qui a fait qu'il y a eu une baisse de tarifs. Il y a certains chauffeurs qui ont pu garder les tarifs hauts et compagnie. C'est des clients vraiment spécifiques. Mais sinon, en général, les tarifs ont énormément baissé. Sur cette décennie en tant que VTC, quelle expérience tu as sur les véhicules? Quels sont les véhicules qui constituent ta flotte actuellement? Surtout, je veux savoir comment tu choisis tes véhicules. J'ai commencé, comme je l'ai dit précédemment, avec une C5. Et franchement, c'était le C5. Ce que je dis pour rigoler à chaque fois, full bas de gamme. Voilà, il n'y avait rien dedans. Clairement, intérieur tissu et tout. J'ai commencé avec ça. Voilà, la C5, je l'ai gardée jusqu'à qu'elle est tombée en panne. Ensuite, il y a eu l'Infiniti Q50. Elle venait d'arriver en France. C'était pour nous, chauffeurs, c'était un truc de dingue. Je la voulais. Je l'ai loué, grâce à mon ami. Hein. On l'a loué, je l'ai gardé quelques mois. Et sur Uber, je voulais passer en catégorie berline. Pour passer en catégorie berline, il fallait avoir un minimum la classe E. Et là, j'ai eu ma première classe E. Sauf que ma première classe E, elle était grise. C'était une grille champagne, foncée. J'ai ressenti un blocage en termes des prestations et compagnie. Tous les véhicules étaient noirs. Donc, je l'ai gardé un peu plus d'un an quand même, parce que je m'en suis servi sur Uber pour faire… je démarchais les clients, clairement, sur Uber. Ensuite, j'ai eu la même classe E en noir. Et je l'ai gardé quelques temps aussi et je voulais monter en gamme. Et j'ai eu l'Audi A8. L'Audi A8, c'était un choix stratégique. C'était en rapport au film. Le film Le Transporteur, il roule en Audi A8. Et quand j'ai eu la A8, c'est là que je me suis fait encore plus connaître en tant que le transporteur dans le métier de chauffeur et dans le haut de gamme. Malheureusement, Audi et même BMW, ce n'est pas des marques demandées dans le métier de chauffeur. Donc oui, par rapport à mon choix de véhicule, je me suis rendu compte que dans tous les événements, mais honnêtement, on peut dire à 90% des événements, il faut avoir du Mercedes. Avec une A8, carrément, je me retrouvais à faire des courses de catégorie berline, c'est-à-dire classe E et tout, alors que c'est un véhicule first class. Et de là, j'ai eu ma première classe S. Pour moi, c'était, je vous en parle, je l'ai mis des frissons, c'était l'aboutissement d'un rêve, quoi, avoir sa Mercedes classe S. C'est un véhicule qui vaut un certain prix, c'est le plus haut de gamme qui existe. Et là, ça a été monté en flèche. Pas par rapport à la voiture, c'est par rapport à la réputation que je me suis fait derrière, avec des véhicules de catégorie plus bas. Et ensuite, en développant, j'ai toujours ma classe S noire. Il me fallait d'autres véhicules, comme aujourd'hui la Maybach, qui est très demandée dans les mariages et certaines personnalités aussi, des rappeurs ou pour les clips et compagnie, extrêmement demandée. La classe G, c'est le 4x4 qu'on voit partout à Dubaï et compagnie. Classe G, énormément demandée aussi, mariage, rappeur et compagnie. Et j'ai la Rolls-Royce qui arrive. Ça aussi, c'est… Jamais j'aurais cru, en commençant il y a 10 ans, un jour, avoir une RR, quoi. Voilà, une Rolls-Royce, une Maybach et tout. Mais encore une fois, ça a été pas que financier, mais un énorme investissement de moi-même. Donc aujourd'hui, je suis fier, quoi. C'est ça, c'est tout ce que j'ai développé d'année en année. Voilà les véhicules. Et comment se porte aussi le choix de mes véhicules? C'est par rapport aussi à la demande client. J'ai vraiment étudié le truc. Je l'ai vraiment étudié en observant aussi les donneurs d'ordre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des donneurs d'ordre, on en viendra peut-être après, qui demandent une certaine gamme de véhicules et certains modèles de véhicules. Je veux revenir à la A8. Quand on demandait des courses classe S, je mettais OK Audi A8, et des fois c'était non, parce que justement il fallait une S. Donc c'est comme ça que ça se portait
le choix de mes véhicules. Et j'utilise aussi un autre support pour le choix des véhicules, pour les mariages. Ça, j'utilise les réseaux sociaux. Je fais des confrontations, par exemple, comment j'ai choisi le Mercedes Classe G. Je l'ai mis face à une Porsche Cayenne, je l'ai mis face même à un Lamborghini Urus. Et ben, c'est toujours le Classe G qui l'emportait dans les sondages. Donc, j'ai pris Classe G. Bon, les véhicules de ta flotte sont quand même des véhicules très onéreux. Est-ce que tu peux nous dire comment tu les as financés et à combien tu estimes en moyenne la durée d'amortissement de véhicules de ce type-là ? Alors, comment je l'ai financé ? Ben, clairement, je suis passé par la banque. La banque m'a suivi, pourquoi ? Ben, parce que j'ai toujours bossé pour avoir des bilans positifs. Parce que c'est pas en allant à la banque, bonjour, je vais acheter un véhicule, ils vont vous suivre, voilà, mais c'est même pas la peine, d'accord ? Donc voilà, j'ai toujours fait en sorte d'avoir des bons bilans, donc ils m'ont suivi. Et la durée de vie d'un véhicule, c'est aussi la gamme de véhicules. Vous allez prendre une classe E, elle aura peut-être pas la même durée qu'une classe S. Parce qu'une classe S, ça reste prestige. Par exemple, un véhicule comme celui-là, je sais que je peux le garder plus de 10 ans. Ça ne se démodera pas. Une Rolls-Royce, encore pire, ça ne se démodera vraiment pas. Mais par contre, les petits véhicules, quand on vient, exemple la gamme Eco, vous allez prendre une Passat, d'expérience, au bout de 4-5 ans, je pense qu'il faut être sûr qu'il faut la changer. Parce qu'il y a un autre modèle qui est sorti, parce que comme c'est des petits moteurs et compagnie, ça commence à tomber beaucoup en panne, alors que les gros véhicules, vraiment avec les gros moteurs et tout, déjà, bon, l'entretien aussi. Hein. Si vous ne l'entretenez pas, le gros moteur, voilà, c'est comme tout dans la vie, hein. Ça tombe en panne. Mais vraiment pour ces véhicules-là, vraiment de haut de gamme, 10 ans, et ça dépend aussi ce que vous faites pour les mariages, voire plus. Quel montant moyen, d'après toi, faut-il investir pour un véhicule dédié au transport de luxe ? Alors, en termes de prix des véhicules, honnêtement, pour être vraiment dans le chauffeur de luxe, on est autour de 100 000 euros. Après, il y a toujours, par exemple, quand vous allez chez Mercedes, il y a les véhicules de direction. Donc, vous les avez un peu moins chers et compagnie. Comme par exemple, je peux vous donner le prix de ma classe S quand je l'avais prise. Sur catalogue, elle faisait un peu plus de 130 000 euros. Et comme c'était un véhicule de direction, il avait 8000 km, il était à 69 000 et des brouettes. Voilà, quasiment moitié prix. Et après, aussi pourquoi ? Parce que une classe S, chez les concessionnaires, ce n'est pas des véhicules qu'ils vont vendre tous les jours. Donc arrivé à un certain moment, eux, il faut qu'ils la vendent. Ils ont déjà fait des marges sûrement de deux véhicules ou autres. Bon, là, je m'égare un peu. Mais en tout cas, il faut compter autour de 100 000 euros. Un peu moins et plus de 100 000 euros si vous avez vraiment des mises à disposition vraiment haut de gamme. Et voilà. Mais en tout cas, il faut compter à peu près 100 000 euros. D'accord. Avec tous ces modèles que tu as eu la chance de conduire et de travailler avec, quelle est la marque ou le modèle vraiment que tu préfères ? Mercedes. Ouais, franchement, Mercedes, je les ai toutes conduites. Même la série 7 de chez BMW, j'ai conduit. Mais honnêtement, en termes de prestige, classe, confort, même beauté. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Mercedes est demandé partout. C'est l'étoile. Voilà, c'est l'étoile. Même si BMW, c'est beau aussi. Mais désolé, c'est pas classe. Audi A8 aussi, je l'ai eu. C'est beau, mais c'est pas classe. Pour moi, honnêtement, c'est Mercedes. J'ai eu des clients qui m'ont suivi de la classe E jusqu'à aujourd'hui, la Maybach. J'ai eu des clients, je les ai toujours et tout, depuis des années et des années. Je me rappelle que quand il y a eu le passage entre l'Audi A8 et la Mercedes classe S, pourtant c'est la même catégorie de voiture, j'avais une A8 L, c'est-à-dire vraiment la longue et tout, et ben Mercedes était au-dessus. Donc il y a une Rolls-Royce qui rejoint ta flotte, mais est-ce que tu as encore en projet d'investir dans un nouveau véhicule ? Oui, une Bentley Continental Flying Spurs, parce que je sais qu'il y a de la demande. Ça sera aussi beaucoup pour les mariages. Après, je sais qu'il y aura de demandes d'autres clients derrière, j'en suis sûr. Une Bentley. Et après, un jour, je vais la Maybach de DJ Khaled. La grande Maybach blanche, cabriolet derrière. Celle-là, ça serait... J'en ai vu une à Paris. Mais celle-là, si je l'ai, ça serait un rêve absolu, quoi. Ouais. Parlons un petit peu de ta clientèle, justement. Qu'est-ce qui constitue l'essentiel de ta clientèle aujourd'hui ? Beaucoup d'hommes d'affaires. Après, il faut savoir aussi que, pas que j'ai perdu, mais on peut dire perdu des clients quand il y a eu le Covid. Quand il y a eu le Covid, il faut dire ce qui est, j'avais fait la dernière Fashion Week en février 2020, tout s'est arrêté du jour au lendemain, mais vraiment tout. Tout s'est arrêté. Donc, il y a eu des pertes de contact. Mais sinon, principalement, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de,
un peu de people, mais sinon principalement ouais, c'est des hommes d'affaires. J'imagine que dans ton business, le bouche à oreille doit fonctionner à plein régime, mais au départ et actuellement, quels moyens tu utilises pour faire connaître tes services et dénicher des nouveaux clients? Oui, alors le bouche à oreille, actuellement, enfin où j'en suis arrivé actuellement, il n'y a que ça qui marche, c'est la recommandation. Je vais transporter, on va dire, un homme d'affaires qui a un chauffeur de base à l'année, on va dire qu'il l'a planté une fois, deux fois, et ben, il va dire, bah, écoute, j'ai un chauffeur, voilà sa carte, tu l'appelles de ma part. C'est énormément de bouche à oreille. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais dans les annonces, exemple Pôle emploi et compagnie, chauffeur de maître. Vous ne trouverez pas, c'est impossible, c'est que du bouche à oreille. Et ce que j'ai utilisé pour me faire connaître, moi, bah, honnêtement, j'ai utilisé Uber, la vérité. J'ai utilisé Uber, j'ai laissé mes cartes à l'arrière, j'apportais un service, mais vraiment plus qu'haut de gamme pour des clients qui payaient un tarif Uber, j'apportais haut de gamme. Pourquoi? En fait, c'est, pareil, c'était de la stratégie. Le client lambda qui va prendre un Uber, on va en faire 10. Dans les 10, il y a forcément quelques clients qui ont des patrons. Ce patron-là, un jour, ils vont l'entendre, j'ai besoin d'un chauffeur. Ce client-là, il va dire quoi? Il va dire, attendez, j'ai croisé un Uber l'autre jour, voilà sa carte. Et ensuite, ça fait effet boule de neige. Ce patron-là, je vais le transporter une fois, deux fois, il va aimer le service. Ce patron-là a un ami, patron. Ce patron-là a un autre ami. Voilà comment je m'en suis servi. Je me suis servi d'Uber pour ma clientèle. Ensuite, j'ai utilisé autre chose aussi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je les ai utilisés quelques années après parce que cette image de transporteur m'a emmené dans des clips musicaux, m'a emmené à fréquenter des artistes, des rappeurs et autres qui m'ont mis sur leurs réseaux sociaux. Donc, ce qui fait que maintenant, moi-même, j'ai une communauté sur Snapchat. Et quand je publie, voilà, nouveau véhicule disponible et tout, j'accroche des clients même sur Snapchat. Ok, ce n'est pas les mêmes clients, hommes d'affaires et compagnie, mais par exemple, c'est beaucoup de mariages, énormément de mariages. Aujourd'hui, on va dire, 90% de mes mariages, c'est Snapchat. Et pour vous dire, je sors tous les week-ends. Je n'ai jamais fait de site internet. Tout le monde me disait, oui, transporteur, pourquoi tu ne fais pas un site internet? Pourquoi tu ne fais pas? Honnêtement, je n'ai jamais fait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de site. Ça a été beaucoup de bouche à oreille et ensuite les réseaux sociaux. Et ça fonctionne? Ah, exactement, ouais. Est-ce que tu as une anecdote croustillante à nous partager ou une demande très spéciale de la part d'un de tes clients qui... Une demande très spéciale, j'ai déjà fait 500 km pour aller chercher une bouteille de champagne. Il s'en fout, il a dit je paye. Ok, le soir, hein. Le soir, je suis parti, un peu moins de 500 km. Enfin, en tout cas, c'est vers la frontière allemande, partir chercher une bouteille de champagne qu'il avait oublié. Voilà, qu'il avait oublié là-bas. Je suis parti la chercher. Après, j'ai quoi? J'ai des transferts en véhicule de luxe pour des demandes en mariage. Donc, on se retrouve en fait au cœur du truc. C'est limite parfois, nous-mêmes, des fois, on est ému, quoi, de voir le truc, quoi, demande en mariage. Est-ce que tu limites ta zone géographique à Paris et l'Île-de-France ou est-ce que ça t'arrive parfois, lors de certains événements ou à certaines saisons, d'aller sur la Côte d'Azur, par exemple? Moi, j'ai même traversé la mer. Franchement, j'ai pas du tout de limite. J'ai eu la chance de voyager avec des clients carrément. En dehors de l'Europe même, mais sinon mon activité principale, bien sûr, oui, pendant des années j'ai fait le festival de Cannes. Un exemple, quand le mois de mai arrivait, je connaissais limite déjà mon programme. Festival de Cannes, Grand Prix de Monaco, ensuite on montait Roland-Garros, Fashion Week qui s'enchaînait, et puis des fois on redescendait avec le client sur la côte, je restais avec lui, mais j'ai aucune limite. Tu nous as parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, mais est-ce que tu fréquentes des réseaux de professionnels comme toi, avec lesquels vous échangez sur le secteur ou pour partager des prestations? Oui, bien sûr. Après, je ne fréquente pas tous les groupes WhatsApp, parce que arrivé à une certaine catégorie de prestations et de véhicules, on restreint les groupes, d'accord? Mais oui, bien sûr, j'ai des collègues comme moi, hein. J'aime des collègues mieux que moi. Honnêtement, moi aujourd'hui, au bout de 10 ans de métier, honnêtement, j'apprends encore. J'apprends encore. Je sais que je ne connais pas tout. Je ne suis pas le Graal des chauffeurs, mais j'en apprends tous les jours. Et bien sûr, je fréquente des groupes de courses. On se rend service entre nous. C'est vraiment très restreint parce qu'on est obligé d'apporter un certain service, quoi. C'est obligatoire. Voilà, le niveau est très haut. On est limite obligé de montrer patte blanche pour rentrer dans ces groupes-là, notamment WhatsApp. Est-ce qu'une clientèle privée de luxe ou un peu trop exigeante peut parfois avoir des comportements inappropriés au point que tu refuses de continuer à travailler avec eux ou pour eux? Oui, ça m'est arrivé. Je peux même vous en raconter une. Ça m'est arrivé. C'était à l'hôtel de Georges V, sur la rue Georges V, très connu. Je vais pour récupérer le client.
Je lui ouvre la porte au client. Bonjour, il ne me répond pas. Pas grave, je garde mon professionnalisme. Il monte dans le véhicule. Bah, il me donne un ordre, quoi, limite, pour éteindre la musique. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je mets toujours de la musique classique. Je ne mets pas de TSF jazz. Enfin, je ne mets pas la radio déjà. Je ne mets pas la radio à cause des pubs et compagnie, ça dérange. Je mets un fond de musique classique. Il me dit éteindre la radio. Pff, c'est monté un peu, mais c'est un ordre. Hein. Et ensuite, on arrive en bas de l'avenue Georges V. Il me dit pareil pour la ventilation. Un ordre. Une fois, deux fois. Honnêtement, j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour à l'hôtel. Et bien ensuite, hein, sur ça, je fais demi-tour à l'hôtel. Je lui dis de descendre, gentiment. Il ne veut pas descendre. En me disant, oui, moi, j'ai payé et tout. Moi, je lui ai expliqué que c'est mon véhicule. Je fais ce que je veux. D'accord. OK, il y a eu un donneur d'ordre en haut. Bah, c'est Chabé Limousine. OK. J'ai bossé en partenariat avec eux, encore aujourd'hui. Et ensuite, j'appelle le donneur d'ordre de Chabé Limousine. Je lui dis, ce type de clients, tu ne me les envoies pas. Les clients mal polis, tu ne me les envoies pas. Je l'ai posé à l'hôtel, ils ont envoyé quelqu'un d'autre, on a discuté un peu avec Chabé. Deux jours après, pourtant c'est un client que j'ai... Là je vous raconte en bref, mais au final, à la fin, j'ai clairement dit « get out !» Quoi, j'étais vraiment énervé, je ne suis pas un chien, d'accord. Et bah, deux jours après, on m'appelle, Chabé Limousine qui me rappelle pour un client à l'hôtel Georges V. Je les ai prévenus, j'aurais dit « j'espère que ce n'est pas ce client ». Ils m'ont dit « non, on n'a pas le nom ». J'arrive devant l'hôtel, je vois que c'est lui. Je vois que c'est ce client en question qui m'a mal pas, enfin, qui m'a donné des ordres, quoi, d'accord. Et au final, bah, il s'est excusé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est mon client. En fait, je vais en venir où il peut y avoir des clients désagréables, bien sûr. Il peut y avoir des clients désagréables, mais il ne faut pas s'écraser non plus, d'accord. Il faut expliquer aux gens, tranquillement, que voilà, il faut qu'on, nous, on les respecte, il faut qu'eux aussi nous respectent, ok. Donc, bien sûr qu'il y en a. Honnêtement, il y en a eu plusieurs. Il y a des jours où j'ai gardé mon sang-froid, je m'en fichais, voilà, ok, c'est bon, je l'ai déposé. Mais il y a comme lui, par exemple, ben, j'ai pas accepté. Et aujourd'hui, c'est mon client encore. Est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui ont, à travers ton expérience, voulu faire comme toi? Il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plein, honnêtement, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a un truc qui revenait souvent, qui me disent, oui, transporteur, j'ai envie de faire comme toi. Ok. En plus, j'aime conduire. Alors, je vais expliquer déjà une chose. Quand on arrive à un certain niveau dans ce métier, je ne sais pas si on peut dire ça niveau, ou un certain standing, on ne conduit quasiment plus. Voilà, c'est que du service. Donc, quand quelqu'un me dit « j'aime conduire », je lui dis bah, « écoute, bah, tu n'as qu'à aller faire bah, du Uber ou taxi ». Ou quand vraiment quelqu'un rentre vraiment dans le truc, mais je prends toujours le temps d'expliquer. Après, si la personne écoute bah, ce que je lui dis, honnêtement, généralement, les gens à qui j'ai dit bah, « aujourd'hui, ils sont bien ». Après, il y en a qui sont les ouais, t'inquiète, je connais. Bah, bonne route. Et que penses-tu justement des chauffeurs VTC, et il en existe, qui travaillent à plein temps et qui ont décidé de bosser exclusivement avec les applications et qui ne veulent pas entendre parler de clientèle privée? C'est comme le chauffeur taxi qui veut faire que du taxi. Uber et autres applications, bien sûr, c'est du taxi en vrai. C'est du taxi. Sauf qu'avec ces applications, on peut s'en sortir autrement. Vu qu'on n'a pas de bornes et compagnie, en fait, via les applications, on peut accrocher le client et faire notre tarification à nous. Au contraire, moi, c'est une bonne chose pour eux. C'est un boulot. Et une chose, un conseil que je peux donner, parce que j'ai fait, vu que j'ai fait de l'application, c'est respecter ses horaires de travail. C'est super important parce que vu qu'on est indépendant, on rentre vite dans un engrenage où je ne fais pas aujourd'hui, je vais faire demain, je vais rattraper. Mais sauf que le lendemain, ça se trouve, on va être pareil. Après, on se retrouve, entre guillemets, dans la merde. OK? Ça, et le deuxième point, se fixer un chiffre d'affaires. C'est très important. Moi, exemple, je me fixais un chiffre d'affaires sur l'appli, c'était 300 euros. Je ne rentrais pas si je n'avais pas fait 300 euros. C'était hors de question. Et si je les faisais avant midi, ben, je restais sur le terrain encore. Je prenais de l'avance. Admettons, voilà, demain, je vais travailler. Ben, le lendemain, il n'y a rien. Oh, j'ai bien fait de bosser plus hier. Voilà. Donc moi, pour moi, ceux qui font de l'appli, c'est bien. Ça les fait travailler. Je préfère quelqu'un qui fait de l'appli que quelqu'un qui fait rien. La dimension dans laquelle tu es maintenant et ce que tu étais au tout début et ce que sont restés certains, est-ce que ce ne serait pas deux métiers différents finalement? Totalement rien à voir. Ouais. Parce que clairement, les applications, c'est du course à course. C'est que du course à course. C'est, voilà. Alors que là, aujourd'hui, c'est du course à poser. Voilà, c'est tout. Non, c'est complètement différent.
Et des petits extras à prévoir aussi parfois? Ah oui, non, mais oui, bien sûr, les extras, les je sais pas si je peux en parler, ben les pourboires et compagnie, ou même parfois manger avec les clients, chose qui n'arrive pas dans les applis. J'ai jamais mangé avec un client. J'ai jamais les pourboires qu'on a en tant que chauffeur là et en tant que sur les applis, ça n'a rien à voir. Voilà. Non, c'est honnêtement les applis et ce qu'on appelait avant la grande remise. Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ça existe, mais ça n'existe plus. Le terme grande remise, c'est complètement différent. Voilà. En trois mots, quelle est la clé de la réussite dans le transport privé de luxe? Le sérieux. Ouais, c'est très important. La ponctualité. Ouais. Et service de qualité. Ça, franchement, ces choses-là, vous avez ces trois choses-là, vous êtes quasiment sûr de réussir dans le métier ou de rentrer dans cette branche-là. Quel conseil majeur, un grand conseil ou deux, tu donnerais à des VTC qui voudraient orienter leur business vers le transport privé de luxe? Alors, un conseil, et franchement, c'est vraiment, vu que j'étais vraiment sur le terrain, je peux vraiment le dire, c'est d'arrêter d'écouter les autres. Voilà, parce que les autres, ils vont vous dire, c'est de la merde, ceci, cela. Donc vous restez dans votre bulle et vous ne cherchez pas du tout à développer. Vous voyez les autres faire, mais vous ne faites pas. C'est ne pas écouter les autres, se mettre à fond dedans, chercher à apprendre le métier. Et honnêtement, c'est un très beau métier. C'est pour ça que je suis resté dedans 10 ans. Écoutez le positif, n'écoutez pas le négatif. Et vous y arriverez. Rachid, vraiment, merci pour ton temps. Et encore merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec le forum Uberzone. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta vie personnelle et professionnelle. Bah écoute, ça a été un plaisir. Hein. C'est un plaisir de partager ce moment-là. Puis bah, si jamais il y a des gens qui ont des questions, qui regarderont certainement la vidéo, qui ont des questions sur Uberzone, ça sera avec plaisir. Moi, vous savez, je suis très branché réseaux sociaux, branché Internet et tout. Sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver justement? Moi, beaucoup Snapchat et Instagram. C'est quoi tes pseudos? Sur Instagram, c'est le-transporteur-fr. Et sur Snapchat, c'est transporteur006. Merci. Comme en témoignent les discussions sur uberzone.fr, chacun a ses aspirations et ses objectifs dans le métier de VTC. Certains sont full application et d'autres préfèrent largement constituer une clientèle privée. Orienter son business vers le transport privé de luxe n'est certes pas une chose simple, mais le témoignage de Rachid prouve que l'on peut provoquer des opportunités et que les applications sont aussi une source potentielle de clients privés. Ce que l'on peut retenir du témoignage de Rachid, c'est que dans le métier de VTC, on peut gagner plus tout en conduisant moins. À chacun finalement de trouver son rythme et son équilibre dans ce métier. Si cette interview vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines productions. Si vous avez des questions à poser à Rachid ou à moi-même, faites-le dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Que vous soyez bien installé dans la profession de VTC ou au contraire si vous souhaitez devenir VTC, n'hésitez pas à rejoindre la communauté très active depuis 2014 sur uberzone.fr. Je vous rajoute dans la description de cette vidéo la vidéo complète de la Mercedes Maybach de notre ami Rachid. En attendant, prenez soin de vous et soyez prudents sur les routes. À bientôt la zone.